Yo, salut tout le monde! Est-ce que vous avez une magnifique vue sur mon triple menton qui est assez exceptionnel? Bon, aujourd'hui, je vous fais un petit air vlog. J'ai eu l'idée parce que j'ai vu les vidéos STF et puis j'avais envie de vous filmer mes progrès. Aujourd'hui, je vais pas faire de tricks en particulier, je vais juste voler, essayer d'aller beaucoup plus loin parce que je me suis beaucoup entraîné au proxy, à la proximité, vraiment voler en proximité. Donc, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin. Mais je sais pas vraiment la portée de mon drone. Je le sais théoriquement, mais je suis pas très sûr parce que c'est une antenne que j'ai bricolée. Bah, enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc aujourd'hui, on vole. Vous allez avoir l'occasion de voir mes joysticks un peu comment je bouge en même temps que je filme à la caméra. Ça peut être plutôt cool. Donc quoi dire? Allez, on s'envole. Volons, je vais essayer de faire un peu plus de long range. Bon, je vais faire un peu plus fort que moi aussi, je vais faire un petit peu de proxy. Un peu de rater. Et ya! J'adore faire ça, c'est vraiment une drogue, ce putain de drone. Je fais un petit tour dans ma forêt. Allez, on va faire un petit tour dans mon chemin. De long range, un tout petit peu, parce que j'aime bien enfoncer là. Et on va venir s'enfoncer dans ce magnifique trou, dans ce magnifique orifice. Et voilà, petit power loop aussi au passage. Bonjour maman. Je connais pas du tout par là. Ah, je vous fais visiter au passage. En tout cas, c'est super dur de parler et de piloter en même temps. Hein. Faut pas se le cacher. On va essayer de passer dans un endroit un petit peu exigu. J'ai l'impression que cette batterie est un peu ramolote. Voilà, un petit endroit exigu. Moi je suis pas trop figure, je suis plus parcourir. C'est mieux de, au début, de s'entraîner à piloter, savoir placer son drone en quelque sorte. Un petit power loop ici, on peut essayer de le placer. 3, 2, ça passe. Un petit aile sur le sapin. Oui. Si on se faisait un petit tout and go pour finir cette session. Bon voilà, il n'y a pas grand chose, j'ai du mal à parler, hein, laissez-moi là. Oh là là, non, ça n'a pas marché. Et c'est le crash. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on a le mode Copa, c'est le mode Turtle, pour ceux qui vous allez plus comprendre. C'est-à-dire qu'on peut faire pivoter son drone, on fait déclencher juste de deux moteurs, ce qui permet de pouvoir le faire pivoter le drone sans aller le chercher comme un gros tocard s'il est hyper loin. Donc voilà. Ma vidéo n'a pas de sens, mais voilà. C'était juste pour vous filmer un de mes vols et tout, je m'entraîne pas à grand chose en particulier. Et voilà. Bon, maintenant il faut que je revienne un petit peu parce que la batterie va être. Voilà. Bonjour.
Bon voilà, petit air vlog, mon premier petit air vlog, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aimez bien le principe. Pour être honnête avec vous, je pense que j'en ferai de plus en plus, à part de ma chaîne et puis tout ce qui est vidéo moto, parce que bien entendu, je vais continuer les vidéos de moto, ne vous inquiétez pas, c'est promis. Mais je pense que je vous ferai des petits air vlogs assez souvent, au moins une fois par mois. Donc j'espère qu'il y en a certains que ça va leur plaire. Pour tous ceux que ça ne va pas plaire, j'espère que vous resterez et vous attendrez tout ce qui est vidéo de moto, car elles vont arriver. Là d'ailleurs, aujourd'hui on est dimanche, il y en a une nouvelle vidéo qui sort mercredi après tellement d'attentes. Je crois que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de nouvelle vidéo, à part la vidéo d'FPV que j'avais fait la fois précédente. Bon voilà, si vous avez des questions sur le drone mais aussi sur la moto, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, franchement, le FPV, ça me bottait bien de vous faire plusieurs vidéos. Et voilà. En tout cas, je kiffe cette nouvelle discipline. C'est vraiment cool d'avoir une nouvelle chose à découvrir, à découvrir et peut-être partager avec vous pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, j'avais très envie de vous faire ces vidéos. Et bien entendu, c'est Stéphane Couchou qui a eu l'idée. Il va dire que j'ai pompé, etc., etc. Mais bon, il sait très bien. Tu le sais, Stéphane Couchou. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur.